Salut la compagnie, aujourd'hui on se retrouve sur un jeu indépendant qui s'appelle Dolly. Donc je connais pas l'histoire, je peux juste vous dire que c'est un jeu de plateforme. Tout cas c'est très mignon. Je trouve la musique très reposante. Ok. On se colle contre la paroi, mais de façon assez extraordinaire. Non! Pourquoi? Pourquoi tu ne voulais plus? Ah, c'est bon. Et oh là là. Donc il faut que j'aille chercher le truc en haut. Non. J'ai cru que j'allais atterrir dans les pics. Oh. Ouais. Ouais, je comprends pas très bien là. Je monte. La musique est devenue super angoissante d'un coup. Ça donne un sacré rythme au jeu. Non, mais je fais comment là? Et pourquoi parfois je peux, genre là j'arrive. Et là j'arrive pas. On va y passer du temps.
Ok, alors il y a une manière précise de sauter, mais... Ok. Du coup, on n'a plus la musique angoissante. Mais c'est vraiment bien fait comme jeu. Je crois que je viens de me suicider. Je viens de me suicider. Non, non, ah si, c'est bon. Les dessins sont, on va dire, minimalistes, mais je les trouve très bien faits. Que se passe-t-il? Oh! Ok. Là maintenant c'est un crâne, c'est même plus un visage. C'est... En fait je pense qu'on est... Je pense qu'on est genre un peu dans le corps de quelqu'un qui doit être malade. Surf, c'est trop mignon. D'accord. D'accord.
j'ai réussi. Oh mon dieu, ça fait 10 minutes que je suis dessus. Ah, j'en peux plus. Excusez-moi. Ok, là c'est vachement blanc. Je suis en train de m'embêter les yeux. Ok, c'est tout. Bon. Bon, bon. Et ben, voilà. Voilà, voilà. C'est un petit jeu bien mignon. J'adore les dessins qui sont peut-être très minimalistes, mais qui sont pas mal. Ça donne un très bon univers. Les musiques étaient très sympathiques. Et s'il était plus approfondi, ça pourrait faire un jeu de plateforme absolument magnifique. Donc voilà, je vous mets le lien du jeu en barre d'infos. Si vous avez un petit moment, si vous voulez jouer un petit jeu tranquille, bah essayez-le. Alors oui, je me suis carrément énervée dessus. Je dois avouer que le dernier passage, j'ai cru que j'allais devenir folle. Mais sinon, je vous le conseille fortement. Du coup, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.